Et bonjour à tous les amis, c'est Brazé, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite, donc avec à la une donc du 2 août 2023, donc avec la une le pack, le casier de Mac Crammy, donc avec le soldat festif en tenue rare. Il est arrivé à la fête avec 2 siècles d'avance. Il est parti ensemble le squelette suprême saison 4 chapitre 2 avec sa chanceuse qui sa pioche atypique, une pioche robuste qui a fière allure. Le sandwich glacé, c'est son petit planeur rare fondé sur vos proies. Déhanché festif, donc ça c'est sa petite emote atypique. Donc voilà, c'est dans un chapitre 2. Remuez votre popotin, tout ça pour 1700 V-Bucks. Hors pack, vous avez soldat festif, donc en tenue rare pour 1200 V-Bucks. La chanceuse, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le sandwich glacé, son petit planeur pour 800 V-Bucks, rare. Le déhanché festif, c'est sa petite emote atypique pour 200 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de Mech. Les gentils ne finissent pas toujours dernier. Fait partie de l'ensemble Free Guy, saison 7, chapitre 2. Donc en tenue hippique pour 1200 V-Bucks. Je ne connais pas ce personnage, c'est la première fois que je le vois. Donc je sais pas, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà vu dans les autres saisons de Fortnite. Moi, c'est la première fois que je le vois. Je ne me souviens pas l'avoir vu en saison 7, chapitre 2. Bon, tout simplement, tout ça pour 1200 V-Bucks. Donc soigner dans une tenue atypique pour 800 V-Bucks. Avoir du style, c'est tout sauf facile. Fait partie de son mode mouvante, saison 1, chapitre 3. Donc avec ces deux customs différents pour 800 V-Bucks. Donc comme j'ai dit, la batte branchée, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le retour d'Isabelle en tenue hippique avec ses 4 customs différentes. Elle lui élève qui était la plus de chance de réussir ou de mettre le feu à l'école. Fait partie ensemble à l'académie de chenemage. Donc, utiliser l'emote intégrée pour changer de style pendant la partie. Donc, voilà tout simplement. Donc, c'est dans le chapitre 2. Voilà. Avec son livre de sort volume 3 qui sont ses sorts de dos hippique. Et son armure incantatoire. Donc, et sa petite emote. Donc, parfois, le savoir ne suffit pas. Voilà, en tenue. L'émote épique également, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le bâton d'astrolomètre, c'est sa pioche rare, donc pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack de gang de aérosol qui fait son retour, donc avec bombeuse et ses deux customs en tenue rare. Donc, laissez votre empreinte sur la mode, tenue réactive, brille dans la nuit. Donc voilà, réactif, hein, stylo chaud avec ses deux customs. Donc, partir ensemble gang de aérosol, saison 1, chapitre 2. Avec son vacarme qui est son accessoire de dos violet, son vacarme violet qui est son accessoire de dos rare, pardon, excusez-moi, avec deux customs. Tagger en tenue hippique et ses 3 customs. Avec sa trousse de, tag qui est son accessoire de dos hippique. L'ancienne néon, c'est la pioche hippique également. Le rouleau rebelle, la deuxième pioche hippique. La marque X, c'est le petit planeur atypique, il est réactif. Donc le petit planeur aussi, donc il doit, avec ses 2 customs, donc lui aussi doit réagir à quelque chose. Donc. Avec éclaboussure qui est un premier revêtement d'armes rare animé. Et graffiti luisant qui est un deuxième revêtement atypique, tout ça pour 2500 V-Bucks. Donc, hors pack, vous avez bombeuse en tenue rare et ses 2 customs, avec son vacarme violet qui est son accessoire de dos violet, son accessoire de dos rare également avec ses 2 customs pour 1200. Donc, objet réactif brille dans la nuit, brille la nuit, donc avec ses, pour 1200 V-Bucks. Tagger, donc en tenue hippique avec sa trousse de tag pour 1500 V-Bucks, en hippique également. Le rouleau rebelle, donc c'est la pioche hippique pour 1200 V-Bucks. L'ancienne néon, c'est la deuxième, donc avec stylo choix. En tenue en hippique également pour 1200 V-Bucks. La marque X, c'est le petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Éclaboussure, c'est le premier revêtement d'armes rares, il est animé pour 500 V-Bucks. Le graffiti luisant, il est atypique pour 300 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du pack gardien gluant avec ses 2 customs, avec Moshi Maboul. Donc voilà, on l'a déjà vu, donc il est réactif. Moshi Maboul et Mai Moshi sont réactifs et visage souris pendant la partie, le pack comprend un écran de chargement, voilà, tout simplement, avec Machimui qui est sa pioche rare et ses 2 customs. Compagnie de Moshi, c'est un revêtement d'armes rare, il est animé, voilà, vous voyez actuellement l'écran. Et Moshima le grillé, donc c'est le revêtement atypique, tout ça, l'écran de chargement atypique, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Moshima Boule en épique pour 1400 V-Bucks et ses 2 customs. Mai Moshi avec ses 2 customs en rare pour 800 V-Bucks qui est le pioche. Le compagnon de Moshi, c'est le revêtement d'armes rare animé pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Sylvestre avec Broussaille et ses 5 customs en tenue rare, avec sa ruche portative et ses 5 customs en rare également. Le racleur à miel, c'est sa pioche en rare également avec ses 5 customs. Et floraison, c'est un petit revêtement donc créatif, rare également, tout ça pour 1500 V-Bucks. Alors pack, donc vous avez Broussaille en tenue rare avec sa ruche portative, avec ce sort de dos rare avec leurs 5 customs tous les deux pour 1200 V-Bucks. Le racleur à miel, c'est sa pioche rare avec pour 800 V-Bucks et ses 5 customs. Floraison, c'est le revêtement d'armes rare réactif pour 500 V-Bucks. Donc voilà, il réagit aux éliminations. Ensuite, vous avez retour du roi du pack roi champignon, donc avec Amanite en tenue épique et ses 2 customs. Avec sa marmite à voler qui sont accessoires de dos épique également avec ses 2 customs. La tranche champignon, c'est sa pioche rare. Le premier crépuscule, c'est le revêtement d'armes rare animé.
pour 1800 V-Bucks le prix du pack. Hors pack, donc vous avez Amanite et Anthony Epic et Savoir Métabolé, c'est 62 Epic pour 1500 V-Bucks, alors différentes custom. Tranche champignon, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Premier crépuscule, c'est vêtement d'armes rare, il est animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Exophyte, donc saison 7, chapitre 2, fait par exemple Vigie Végétal, donc réactif. Le fleurage pulsionnel se métamorphose sur les bras d'Exophyte quand les deux objets sont équipés, la tenue réagit aux dégâts. Avec son Zoot qui est son accessoire de dos hippique et la fleurage plexirienne qui est sa pioche hippique, donc tout ça pour 1600 e-bucks. L'amirette extraterrestre, donc c'est son petit vêtement d'armes animé pour 500 e-bucks. Ensuite, vous avez le retour de Reine de l'automne en tenue rare. Elle règne sur les bois, fait partie ensemble au fil des saisons, saison 1, chapitre 2. Avec sa cape automnale qui est son accessoire de dos rare, la première cape entièrement ramassée à la pelle, tout ça pour 1200 e-bucks. Ensuite, vous avez Stern, il a l'esprit de la forêt, il fait partie ensemble, fil des saisons, lui aussi fait partie du même ensemble, pardon, en tenue hippique, avec sa corne de chasse qui sont accessoires de dos hippique, et donnez-le là, donc voilà, pour 1500 e-bucks. Amanite, c'est leur pioche rare pour 800 e-bucks. Attrape écorce, c'est une deuxième pioche rare pour 800 e-bucks également, voilà. Ensuite, vous avez le pack Attrape-mouche, qui sont en retour, donc avec Attrape-mouche. Et saison 4, premier chapitre, donc en tenue légendaire avec son piège à mouche qui est son accessoire de dos légendaire. Lavry, c'est sa pioche rare. Et Dionné, c'est son petit planeur épique, tout ça pour 2400 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Attrape-mouche et son piège à mouche en légendaire pour 1200 V-Bucks. Lavry, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Dionné, c'est sa petit planeur épique pour 1200 V-Bucks. Donc voilà. Ensuite, vous avez Echo, la venteuse, que les vents vous guident, partie ensemble le chant du vent. Saison 7, chapitre 2, réactif. Le tatouage brille en ouvrant les coffres. En tenue atypique pour 800 V-Bucks. Bashi qui fait son retour, donc adorable et mystérieux, sportif ensemble, Gapa Guerrier, saison 9, premier chapitre, avec ses deux customs différentes, et son Moshi qui sont un accessoire de dos rare également, son sourire et trompeur, tout ça pour 1200 e-bucks. Donc, Hyper, c'est un petit planeur, donc il sportif ensemble, Hyper, saison 6, premier chapitre, donc le sol vous attirera inexorablement, pardon. Donc atypique pour 500 e-bucks. Allégresse, sa petite emote série icône, saison 1, chapitre 3 pour 500 e-bucks. Mini tondeuse, une petite emote rare, ce champ de bataille sera plus joli quand l'herbe sera coupée, saison 2, chapitre 3, immobile pour 500 e-bucks. Frotte les épaules, donc une petite emote atypique, tu peux te brosser Martine, saison 3, premier chapitre pour 200 e-bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Futurama, donc avec Futurama avec Philippe Giffry en tenue hippique, avec son crapaud Hypnose et son accessoire de dos hippique. Turanga, Léla, donc en tenue hippique, avec son Himmler et son accessoire de dos hippique. Bender, Torder, Rodriguez en hippique, avec son Ben Rodriguez et son accessoire de dos hippique. Épique également. L'accessoire de dos Ben Rodriguez réagit quand vous subissez des dégâts, tout ça pour 2800 e-bucks. Hors pack, vous avez Philippe Geoffrey en tenue épique avec son crapaud Hypno, donc accessoire de dos épique pour 1500 e-bucks. Teranga Fela, donc en épique avec son Nimbler qui sont accessoire de dos épique également pour 1500 e-bucks. Ben Torder Rodriguez, donc en tenue épique avec son Ben Rodriguez, accessoire de dos pour 1500 e-bucks également. Ensuite, vous avez le pack d'équipement de Futurama avec Asma Géant qui est une pioche rare, Violent en or, une deuxième pioche rare, Poutrelle Intordable. La troisième pioche rare. Ensuite, vous avez Fuite de Zorberg, donc c'est la petite emote rare. Et Vaisseau Planète Express, c'est le petit planeur rare, tout ça pour 1800 e-bucks. Alors, pas que vous avez Fuite de Zorberg, donc la petite emote rare pour 500 e-bucks. Le casse-noix géant, la pioche rare pour 800 e-bucks. Le violon en or, l'autre pioche rare pour 800 e-bucks également. La poutrelle intordable, la troisième pioche rare pour 800 e-bucks. Et le Vaisseau Planète Express pour 800 e-bucks également, voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Terminator, donc un Terminator en tenue hippique avec son lama de scanette qui sont accessoires de dos hippique. Le surf du camion, c'est la petite emote rare. La lame en polyalliage mimétique, pardon, c'est sa pioche atypique. Et le CT aérien, c'est le petit planeur rare, tout ça pour 2300 e-bucks. Hors pack, vous avez Terminator en tenue hippique avec le lama de scanette pour 1500 e-bucks. Les lames en polyalliage mimétique et la pioche atypique pour 500 e-bucks. Le CT aérien, c'est le petit planeur rare pour 800 e-bucks et surf sur le camion, sa petite emote rare pour 500 e-bucks, donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack de Guerre Future avec Sarah Connor, Anthony Hippique et ses deux customs, avec son bras endosquelette T800, c'est un accessoire de dos hippique également. Le T800, tenue hippique, avec son système de lésion scanette, c'est un accessoire de dos hippique. Le couteau de combat, c'est une pioche hippique. La hache Techno Grip, c'est la deuxième pioche rare. Et Salut Cyberdine, c'est la pioche hippique, c'est l'emote hippique, donc rare. En hippie, pardon, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Sarah Connor en tenue hippique avec son accessoire de dos bras en dos squelette et couteau de combat, tout en épique. Retirez le couteau de combat de l'étui de Sarah Connor quand les deux objets sont équipés, tout ça pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez T800 avec son système de lésion scanette en épique également pour 1500 V-Bucks. L'âge Technogrip, c'est la pioche rare pour 800 V-Bucks. Le Salut à Cyberdine, c'est la petite emote hippique également pour 300 V-Bucks.
Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez pêle-mêle Anthony Epic avec son couvercle de poubelle avec genre, ses deux customs différents, donc en Epic pour 1500 e-buck. Le pack Assis Incassable avec Metalex en tenue rare et Chroma en tenue rare, avec Minimissi, c'est leur pioche rare, et Vadrouillard, c'est le petit planeur atypique, tout ça pour 1700 e-buck. Hors pack, vous avez Metalex en tenue rare pour 1200 e-buck, Chroma en tenue rare également pour 1200 e-buck. Le Minimissi, c'est la pioche rare pour 800 e-buck. Le Vadrouillard, c'est le petit planeur atypique pour 500 e-buck. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Révolte des robots, donc avec Rebelle en tenue hippique et son porte-aérosol en hippique, Révolté avec son porte-skateboard en hippique également, Intersection, c'est la pioche atypique, et Réseau Vert, c'est le revêtement d'armes rares, animé et réactif, tout ça pour 1800 e-buck. Hors pack, vous avez donc Rebelle et son porte-aérosol en hippique pour 1500 e-buck, Révolté et son porte-skateboard en hippique pour 1500 e-buck également, Intersection, c'est la pioche atypique pour 500 e-buck, Réseau Vert, c'est le petit revêtement d'armes animé et réactif pour 500 e-buck, voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack série icône avec Naomi Osaka et sa raquette royale qui sont accessoires de dôme également sa pioche. La Naomi Prétès sombre avec raquette de promo aussi qui est son accessoire de dos également sa pioche. La posture de service, la petite Imote. Planeur, Nimbo porteur de rennes et Célérobum maudite. Et tout ça pour 2700 e-buck. Hors pack, vous avez Naomi Osaka avec sa raquette royale, accessoire de dos et pioche pour 2000 e-buck. Naomi Prétès sombre avec sa raquette promo aussi qui est son accessoire de dos mais également sa pioche pour 1600 e-buck également. Le petit pack de planeur avec Nimbo porteur de rennes et Célérobum maudite pour 800 e-buck. La posture de service, la petite Imote. Série icône pour 300 e-bucks, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le guerrier nordique qui fait partie ensemble série légende du gaming, donc pour 1200 e-bucks, avec sa hache de bataille de cœur ébène qui sa pioche également son accessoire de dos pour 800 e-bucks. L'armure nordique, c'est son vêtement d'arme pour 300 e-bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de casier de Sparkless, donc avec Diva de la Fête et ses deux customs, donc en tenue hippique, avec ses couteaux luminescents et sa pioche hippique et ses deux customs, Postar, sa petite Imote hippique, et le Flot d'étoilé, c'est sa revêtement d'armes animé et réactif, tout ça pour 2400 e-bucks. Alors, pas que vous avez Diva de la Fête pour 1500 e-bucks, donc avec ses deux customs. Le couteau luminescent, c'est sa pioche épique pour 1200 e-bucks. Le Popstar, c'est sa petite Imote épique pour 800 e-bucks également. Le Flot d'étoilé, c'est son revêtement d'armes animé et réactif pour 500 e-bucks, voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête de gain de niveau de Vicora. Donc, obtenez la tenue Vicora à l'achat. Accomplissez les quêtes obtenues pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes obtenant des jetons de sortilège dissimulés sur la carte du chapitre 4 avant la fin de la saison 3. Chaque semaine, cette nouvelle quête devient disponible et peut être accomplie jusqu'à la fin de la saison le 25 août. Donc, accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête a un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos étoile ombreuse. Semaine 2, le revêtement d'armes ombre tourmentée à partir du 3 août, donc c'est à partir de demain. Semaine 3, la pioche lama ombre tissée à partir du 10 août à 15h. Semaine 4, le silombra pour la tenue vicorale à partir du 17 août à 15h. Donc voilà, accomplissez toutes les quêtes, 28 au total pour délivrer toutes les récompenses cosmiques. Donc tout ça pour 1200 e-bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack légende estivale pour 8 euros, donc avec chaperon estival et 3 custom en tenue hippique, Zoé tropical en tenue hippique, banane de plage et 3 custom en tenue hippique, buzzard du trappeur, c'est un premier accessoire de dos hippique avec ces deux customs, sac dorsal un deuxième et cabana banana le troisième. Donc profitez, c'est à 8 euros. Ensuite, vous êtes sur le pack maître du magma à 7,49 €, on va dire, allez, avec une eau accélératrice et son cama double feu, Ragnar ardent et ses ailes enflammées, ainsi que roi des flammes et son poney infernal. Ensuite, vous êtes sur le pack légende ardente, donc pour 8 euros, lui. Moss de guerre ardent et Valkyrie ardente, avec chacun leur accessoire de dos, Capacimé ardente et les alliés Valkyrie ardente, et le pyro dragon en plus, c'est le petit planeur. Ensuite, vous êtes sur le pack reflet obscur, donc pour 8 euros également, avec Genesis obscur, chevaleresse rouge obscur, joker obscur, avec deux accessoires de dos, bouclier obscur et cube sauvage, ainsi que la hache obscure qui est la petite pioche. Ensuite, vous êtes sur la pack légende du bleuvage pour 2000 V-Bucks, donc avec le Genesis du bleuvage, cartoucheuse du bleuvage et Léviathan du bleuvage. Ensuite, vous êtes sur le pack guerrier du bord de mer pour 2400 V-Bucks, donc avec Rase du rivage avec ses 8 customs différents en tenue hippique, avec son équipe PDS qui sont accessoires de dos hippique, Girl Surfer et ses 2 customs avec son panier de profondeur qui sont accessoires de dos hippique, Core Officieuse et ses 3 customs en tenue hippique avec sa cape de chaîne et ses 2 customs qui sont accessoires de dos hippique également pour 2400 V-Bucks, donc. Ensuite, pour terminer, donc vous êtes sur le pack clip de guerre, donc avec un accès permanent à la compétition du monde. Vous gagnez 1500 e-bucks en compétition à 4 continents dans le monde. Terminez la défense du bouclier anti-tempête base 3 pour déverrouiller 4 continents. Terminez ce pack de défis qui comprend la tenue clip rare, avec sa trousse de clip qui sont un accessoire de dos rare. La clé du jeu, c'est sa pioche rare, donc tout ça pour 16 euros, les amis, si vous achetez ce petit pack. Donc voilà. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 euros par mois, les amis. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélités au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est déverrouillée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif.
Vous obtenez le Rocket Pass Premium. Donc, grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Et vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, donc c'est Princesse Lexa, donc déjà en tenue hippique, avec son cimier, les Célestes, qui sont accessoires de dos hippique. Prince Orin et son guide Céleste, qui sont lui aussi un hippique, avec son guide Céleste, qui sont accessoires de dos hippique. Les Sables Souveraines, donc c'est une pioche rare. La deuxième, c'est la lance du Prince Orin en rare. Et pour terminer, vous avez un petit écran de chargement, un destin royal. Donc tout ça, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, vous avez bénéficié de tous ces avantages. Voilà, nous arrivons au terme de ces vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis. Mettez le pouce bleu, arrêtez de regarder que la miniature. Je vous en supplie, regardez la vidéo entièrement. Ça me fait, ça m'aide plus que si vous regardez juste. Je fais beaucoup de vues, mais ça avance pas beaucoup. Donc, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Enfin, je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux. Les amis, j'ai besoin vraiment de vous. J'ai besoin de vous et de votre soutien surtout. Je vous remercie déjà de tout ce que vous m'apportez jusqu'à maintenant. Et je vous remercie pour le mois dernier pour les 15 soutiens avec le code créateur. Donc il faut monter un peu plus. Il faut avoir un peu plus de soutien, les amis, pour qu'on puisse faire décoller la chaîne. Donc n'hésitez pas à remettre le code Brasier. Donc vous savez, c'est le code de l'été, c'est le code de l'année. C'est celui qui va enflammer ton été, réchauffer tes hivers. Donc c'est le code de l'année. C'est Brasier en majuscule, en minuscule. En vous fonctionnez, vous fondez, on s'en fout. Mettez accepté, moi ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire. Le petit commentaire Brasier pour voir si vous avez regardé entièrement la vidéo, parce que ça me ferait énormément plaisir, ça me donnerait beaucoup, les amis. Donc franchement, je compte sur vous, je sais que vous êtes les meilleurs, c'est vous qui pouvez le faire. Donc faites exploser la chaîne, faites exploser la part de pouce bleu, les amis, n'hésitez pas hein, à commenter aussi la vidéo. Donc je sache si elle vous plaît vraiment. Et pour terminer, que je voulais dire, si tu n'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux faire, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner. Et tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et après, si tu veux des objets super stylés, custom pour cet été, donc on est déjà en août, donc n'hésite pas à faire un petit tour sur la boutique officiel de la chaîne, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et aussi, pour terminer, franchement, tu m'aiderais vraiment aussi si... Enfin, ça m'aiderait vraiment aussi, pardon, si tu pouvais, c'est vraiment, ce serait super. Enfin, si tu pouvais, enfin, si tu veux devenir membre exclusif de la chaîne, donc je te mets le lien aussi en dessous, la petite souscription, ça ferait toujours plaisir, les amis. Voilà, sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye.